époque où les fruits de la science menacent de mettre fin à toute vie humaine, où le capitalisme moribond semble capable de tout emporter avec lui, nous nous trouvons plus à même de vouloir découvrir les origines ultimes de ce cauchemar. I think that's part of it too. I mean, if they really understood what was happening in Ireland, they would get themselves sorted out and stand on the right side here, because we identify very closely in our struggle for equality and our struggle against oppression. In fact, the whole inspiration of our civil rights movement 10 years ago came from the black movement of America. And it looks to us from where we stand at home that our people are being oppressed with the active assistance of our people. We find that very sad. But this is where, you know, power comes into it. I mean, upper class men oppress both men and they oppress women. Every man oppresses women. I mean, they have the chance to oppress the women they marry, their daughters. Looking beyond that, then it would suggest that you would want a complete change in society. Definitely. Class change. Definitely. Mm-hmm. Si résister à la culture dominante est la dernière chance de nous sauver, alors nous avons besoin d'une culture de résistance. Bien, bonjour à toutes et à tous. Un grand merci d'être ici ce soir à La Griffe pour parler de tout ce qu'on aime, c'est-à-dire Amazon et les plateformes logistiques. Donc, je m'appelle Maëlle, je suis stagiaire pour le blog Floraison, qui est un média autonome autogéré par des stagiaires et qui soutient l'émergence d'une culture de résistance écologique, féministe et libertaire. Je voudrais commencer par remercier La Griffe qui nous accueille ce soir et David d'intervenir avec moi pour parler des dégâts et des misères que provoque Amazon. Donc Amazon et son monde, donc toutes les plateformes logistiques qui peuplent les alentours des grandes villes et qui participent à l'extension d'une civilisation industrielle et d'une consommation généralisée. Donc David Garborio, tu es sociologue du travail, tes recherches portent sur le travail en entrepôt de la grande distribution en France. Ton travail s'appuie sur notamment des observations participantes, donc tu as été pendant plusieurs mois employé de ces grandes plateformes logistiques, donc ton regard est des plus pertinents. Et je propose d'axer cette discussion en trois temps. Donc tout d'abord, on va évoquer les plateformes logistiques et leur ancrage dans les rouages du capitalisme. Puis je propose d'axer sur les conditions de travail dans ces plateformes logistiques, et notamment d'Amazon, qui fait l'objet des plus grandes polémiques. Et enfin, un troisième temps autour de lutter contre ces plateformes, et notamment Amazon. Alors, la plateforme logistique, rouage essentiel du capitalisme généralisé. Donc, pour fonctionner, la civilisation industrielle s'appuie sur à la fois des infrastructures et des valeurs. Les infrastructures, c'est évidemment les plateformes logistiques, qui permettent d'alimenter tout un bassin de consommation et les grandes métropoles que nous connaissons aujourd'hui à Lyon. David, est-ce que tu peux peut-être commencer par nous décrire cette plateforme et comment elle fonctionne et leur ancrage dans cette grande méga-machine du capitalisme? Ouais, bah du coup, ça fait... Bah, merci à tout le monde déjà d'être là, merci à La Griffe et merci aux organisatrices. Du coup, ce qui peut être bien pour commencer, c'est de faire un petit historique de ce que c'est la logistique, comment c'est apparu, puis après on peut rentrer concrètement dans le détail de l'entrepôt et comment ça fonctionne dans l'entrepôt. Mais tu l'as bien dit, c'est un rouage essentiel du capitalisme, c'est une infrastructure, c'est vraiment le terme à retenir. Une infrastructure, ça veut dire que sans ça, le capitalisme tel qu'il est aujourd'hui ne serait pas possible. Et ça, il y a différentes manières de le voir. Si on regarde un peu comment c'est apparu en France vraiment fortement la logistique, on voit bien qu'à chaque fois, c'est des étapes essentielles du capitalisme tel qu'il est aujourd'hui. Alors, j'aurais pu revenir, les spécialistes, les experts de la logistique, ils disent que c'est apparu avec la Grèce antique. Non, en fait, la logistique telle qu'elle existe aujourd'hui, c'est à partir des années 80, 70-80. On commence à avoir des énormes entrepôts disséminés partout sur le territoire qui livrent les magasins. Donc, à chaque fois, le schéma, pour expliquer très simplement ce que tu disais, l'éparpillement des entrepôts, c'est qu'on a des usines qui fabriquent des objets, qui les envoient dans des entrepôts, et les entrepôts renvoient les objets vers des lieux de consommation ou de plus en plus chez les particuliers. Ça, quand même, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément en tête, mais tous les objets qu'on consomme aujourd'hui par le biais de la grande distribution passent par des entrepôts. Ce n'est pas quelques objets, hein. Il n'y a jamais une palette de Coca-Cola qui sort de l'usine Coca-Cola pour aller vers un magasin. Systématiquement, ça passe par une plateforme logistique, et ça, c'est valable pour plus de 90% des produits qu'on consomme aujourd'hui.
Donc c'est pas quelques fois ça passe par là, tout passe par là, absolument tout. Avec parfois des trucs aberrants du coup. Alors, je vais venir à l'historique après, là, je suis en train de faire des parenthèses, mais des trucs aberrants, c'est-à-dire que vous fabriquez du savon de Marseille à Marseille, pour être vendu dans un supermarché de Marseille, c'est pas du tout un problème du point de vue de logistique, qu'entre-temps il passe par une plateforme logistique qui va être située à Orléans. Ça, c'est tout à fait rationnel du point de vue de la logistique aujourd'hui. Donc, on fabrique un endroit, on le transporte très loin et ça revient au même endroit. L'intérêt, c'est de concentrer les flux. Et c'est pour ça que je dis bien que tout passe par là. C'est-à-dire, même si c'est juste à côté, ça passera quand même par une plateforme logistique parce qu'au final, c'est plus rentable. Donc, c'est pour ça qu'il y en a un peu partout. Donc, on disait, c'est une infrastructure, donc c'est stratégique et qu'il faut regarder un peu l'émergence du secteur pour comprendre pourquoi, à chaque étape, c'est quelque chose de stratégique. Déjà, une première chose qui a fait apparaître des très gros entrepôts, type Amazon. Et en fait, à chaque fois, je vais essayer de faire ça, de montrer que Amazon, c'est un super exemple. C'est le truc qui saute aux yeux, mais c'est l'arbre qui cache l'énorme forêt derrière, qui est la logistique. Donc, tout ce que je dirais, c'est un peu valable pour Amazon. Mais avant les gros entrepôts Amazon, il y avait les gros entrepôts de la grande distribution. C'est ça, les premiers grands entrepôts qui apparaissent en France, c'est des entrepôts de Leclerc, Carrefour, Super U, ces grosses boîtes qu'on connaît tous. Et en fait, le fait d'avoir des entrepôts pour stocker les produits, c'est essentiel. À partir du moment où des grandes entreprises décident d'acheter en gros des produits pour les vendre à pas cher dans des supermarchés, donc là on a un modèle énorme qui se développe, qui aujourd'hui marque notre quotidien à nous tous, hein. À partir de ce moment-là, il faut des entrepôts. Ça ne marche pas sans entrepôts. On ne peut pas acheter en masse et après diffuser en masse sans passer par une plateforme logistique. Donc c'est un rouage essentiel de la grande distribution. Après, il y a une autre étape qui fait exploser la logistique, qui est un peu moins connue, je la ferai après celle-ci, qui est plutôt celle-ci, elle est très connue. C'est le phénomène de la délocalisation. À partir du moment où on commence à produire des objets quelconques très loin, en Asie d'abord, et puis un peu partout après, ou même dans l'Est de l'Europe, à partir du moment où on commence à utiliser des pays à bas coût pour produire, on a besoin d'une infrastructure logistique pour amener ces produits. Où est-ce qu'ils sont vendus? Est-ce qu'ils ont beau être fabriqués en Chine ou ailleurs, ils sont toujours vendus chez nous principalement, quoi. Donc non seulement on en a besoin, mais en fait ça ne marche pas si on n'a pas une infrastructure logistique extrêmement performante. Ça coûterait trop cher. Pour que ça soit possible, il faut que le transport ne coûte presque rien. Et pour ça, il faut une énorme infrastructure logistique avec des gens mal payés, avec tout ça, tout ce qu'on va expliquer après, ça découle de ça. Donc vraiment, l'internationalisation des marchés, la globalisation, elle repose aussi sur la logistique. Et ensuite, il y a un dernier phénomène, donc ça, c'est celui qui est moins connu, mais qui est très important. À partir des années 80, en France et partout dans le monde occidental, il y a un truc important qui se produit, c'est ce qu'on appelle l'externalisation. Avant, on avait des très grosses usines avec 10, 15, 20 000, des très gros groupes, 10, 15, 20 000 personnes au même endroit. Et à partir des années 80, tout commence à être découpé en petites unités. On a toujours des très gros groupes qui maîtrisent les marchés, hein, ça change pas. Par contre, ces très gros groupes, ils se découpent en plein de filiales, filiales qui appartiennent au groupe ou des fois pas au groupe, donc des fois c'est des sous-traitants, donc des plein de réseaux de petites unités. Alors on pourrait se dire, bon, c'est juste un changement de l'économie, hein, mais ça a des impacts importants sur plein de choses. Par exemple, c'est quelque chose qui a très fortement déstructuré les collectifs de travail. On n'a plus la grosse usine avec ses 10 000 ouvriers qui sortent ensemble de l'usine, qui vont au bar, qui discutent et qui tout d'un coup se mettent en grève tous ensemble et ça bloque tout. Et on a plein de petites unités partout, tout est éclaté. Donc ça, c'est stratégiquement, c'était très fort pour le capitalisme de créer ça. Et pour faire ça, c'est pareil, il faut de la logistique. Si on a 15 000 sous-traitants, qu'on fabrique un bout de pièce en endroit, un autre bout de pièce en endroit, qu'on assemble un bout de l'objet à un moment, et qu'après on rassemble un autre bout ailleurs, tout ça, il faut transporter à chaque fois, et pour ça, il faut de la logistique. Et si vous regardez la fabrication d'un iPhone, c'est l'exemple type de ça qui est toujours cité. Il y a plus de 20 unités de production et d'entrepôt minimum qui sont utilisées pour chaque iPhone. C'est-à-dire que ça circule partout et qu'il faut que ça circule à pas cher. Donc tout ça, c'est pas possible sans la logistique. Donc je disais bien, ça a des effets politiques, c'est pas juste une transformation des économies. Ça met en concurrence la main-d'œuvre à l'échelle internationale. C'est grâce à ce type d'infrastructure, grâce entre guillemets, hein, mais qu'on peut mettre en concurrence un ouvrier en France avec un ouvrier à l'autre bout du monde. Ça éclate les collectifs de travail aussi, en éclatant les grandes entreprises. Et puis ça permet la massification des ventes de la grande distribution, qui arrive à occuper tout l'espace grâce à ça, quoi. Donc c'est vraiment une infrastructure de tout ça. Et ça, c'est la première chose à remarquer, je trouve, de voir à quel point c'est important pour le capitalisme aujourd'hui. Et tout ça aussi, ça souligne une autre chose au final, donc c'est un autre ensemble d'explications, de première explication de c'est quoi la logistique et pourquoi c'est important, d'en parler. Tout ça, ça fait naître en France un nouveau monde ouvrier. Parce qu'en fait, on a tous entendu ces discours, les ouvriers c'est fini, on est en phase de désindustrialisation, tout ça, on a toujours entendu ça depuis les années 80.
On sait un peu que c'est pas vrai, et une des manières d'expliquer que c'est pas vrai, c'est de regarder un peu la logistique. Et en fait, si on veut l'expliquer de manière très simple, et c'est même pas caricatural, hein, quand on a commencé à dire que les ouvriers avaient disparu en France, en fait, ils n'avaient pas disparu, ces ouvriers-là. Ils étaient juste rendus très loin. C'était les usines de production qu'on envoyait à l'extérieur. Donc déjà, dans sa tête, c'est important d'avoir ce réflexe-là quand on nous dit désindustrialisation, de dire non, en fait, c'est juste, on a envoyé ça dans des pays à bas coût. On envoie dans des pays à bas coût, et pour ramener le produit chez nous, on a besoin de logistique, et la logistique, c'est de la main-d'œuvre. Et l'entrepôt logistique qui permet d'amener le produit jusqu'au supermarché, lui, il n'est pas délocalisable. Lui, il est chez nous, il ne bougera pas. Et ce qui s'est passé, en fait, et on le voit dans les statistiques de l'emploi, c'est qu'on a perdu une partie des emplois industriels classiques, d'ouvriers classiques, de l'automobile, ou les gens qui fabriquaient des micro-ondes, ou je ne sais quoi. Ils n'ont pas disparu, hein, mais ça a quand même bien diminué. Et qu'en retour, il y a un nouveau monde ouvrier qui a émergé, ce qu'on appelle les ouvriers du tertiaire, qui fabriquent plus des produits dans des usines où on construit quelque chose, mais qui sont dans d'autres types d'économies. Donc dans la logistique, dans d'autres secteurs, hein, on aurait pu parler du tri des déchets, toute l'écologie par exemple, il y a tout un monde ouvrier qui est en train de naître par là. Et ça, c'est important d'avoir cette idée-là, qu'il y a encore des mondes ouvriers émergents en France, des trucs qui apparaissent quoi, et qui se renforcent. Et en fait, aujourd'hui, si on regarde un peu les chiffres, dans les années 80, dans tout le monde ouvrier, si on regarde l'emploi ouvrier, il y a 8% des ouvriers qui travaillent dans la logistique. Aujourd'hui, il y en a plus de 15%. Ça, à l'échelle de l'emploi global, c'est des grosses évolutions, quoi. Ça veut dire que le monde ouvrier, il est de plus en plus logistique. Donc, je ne sais pas si vous voyez le truc. Et une autre manière de le montrer aussi, c'est que dans ce secteur-là, si on regarde en termes d'emploi, quand je dis qu'il y a de plus en plus d'ouvriers, aujourd'hui, il y a 900 000 emplois. Dans la logistique, non, ce n'est pas un petit secteur, 900 000 personnes. Mais ce qui est encore plus important, c'est de montrer que dans ces 900 000 emplois, en fait, il y a 80% d'ouvriers. Donc, c'est un énorme secteur dans lequel il y a 80% d'ouvriers. Donc on a encore des secteurs qui cartonnent, qui sont en plein développement, qui sont des secteurs hyper ouvriers, quoi. Donc quand on vous dit des industrialisations ou des choses comme ça, toi t'as dit on est encore dans une civilisation industrielle. Voilà, ça c'est un exemple pour le montrer. Tout ça a un peu changé, ça veut pas dire que les choses sont toujours pareilles, hein. C'est un monde ouvrier qui s'est transformé, mais qui a pas disparu, ça s'est transformé. Et la transformation que moi j'ai essayé de montrer dans ce que j'ai fait dans un boulot de thèse, parce que ça vient de là l'enquête, c'est de montrer qu'on est passé d'une économie de la production, d'un monde ouvrier qui produisait, à une économie de la circulation. Je ne suis pas tout seul à le dire, il y a plein d'économistes et de sociologues qui disent ça aujourd'hui. Et aujourd'hui, la circulation des matières, des biens et des matières, c'est devenu un enjeu stratégique du capitalisme. Et on peut en parler de manière très métaphorique comme ça, mais en fait, derrière tout ça, il y a des ouvriers. Et donc il y a des luttes à mener aussi dans les entrepôts, et ces luttes, elles ont un enjeu stratégique énorme pour le capitalisme. Peut-être qu'on va justement rentrer dans les luttes ouvrières. Il y a des emplois qui sont très spécifiques aux plateformes logistiques et justement à cette économie qui se fait dans ces quelques pôles en fait autour des grandes villes et autour des grands réseaux de communication. Et toi, dans plusieurs de tes écrits, tu évoques notamment la robotisation des ouvriers et des ouvrières et de tout ce que ça suscite comme émotion, comme ressenti et comme pénibilité, souffrance. Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ça ? Du coup, d'amener le côté robotisation, nouvelles technologies, ça permet un peu de poursuivre la discussion qui est en lien avec l'évolution aussi des plateformes logistiques. En fait, ouais. Mais cette idée que si on nous dit que les ouvriers ont disparu, c'est aussi parce qu'on nous dit que les technologies, et ça on l'a tous entendu, on nous l'a tous rabâché à l'école, la technologie, le numérique, ça crée plus de savoir-faire, plus de qualifications. C'est censé être comme ça, quoi. Moi, le premier truc de mon enquête, c'était de remarquer immédiatement que c'était pas le cas. En fait, le premier entrepôt dans lequel j'ai bossé, enfin, c'était avant même de faire de la sociologie, hein, c'était les boulots d'été que je faisais, quoi. Donc j'étais à la fac en socio, puis on m'expliquait que cette idée-là, hein, plus il y a de technologie, plus il y a de savoir-faire. Et l'été, j'arrive dans un entrepôt et moi, je travaillais sous commande vocale. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Il y a des reportages, Cache Investigation notamment, qui a fait un reportage marquant là-dessus. C'est-à-dire que je suis dans un entrepôt logistique, donc je trimballe des colis, je les mets sur des palettes pour le dire très simplement, avec plein de numériques, des super logiciels qui gèrent toute la circulation des colis. Et les ouvriers, ils ont un casque sur les oreilles, un micro dans la bouche. Et c'est une voix numérique qui dit aux ouvriers tous les colis qu'ils doivent aller chercher. Et eux, à chaque fois qu'ils vont chercher un colis, ils valident par reconnaissance vocale.
Donc ça crée une espèce de dialogue avec la machine, elle vous dit commencez mission, ok, et vous répondez à chaque fois, vous dites 3000 fois ok par jour, comme ça. Allez 1, ok, vous allez aller 1, emplacement 33, ok, 3 colis, 1, 2, 3, et à chaque fois on parle comme ça, ok. Donc il y a le côté hyper numérique, avec un algorithme, un logiciel hyper bien calibré qui gère tous les mouvements de colis, et derrière ça, il y a un boulot ouvrier, hyper prolétarisé, qui est vraiment le... qui ressemble au métier d'OS, vous savez, les ouvriers spécialisés de l'automobile, le geste répétitif. On n'a aucune capacité d'agir, aucune autonomie. On suit point par point la commande vocale. On ne sait jamais ce qu'on a avant, on ne sait jamais ce qu'on a après. Ça, c'est toujours important dans le monde du travail. Quand on peut anticiper sur sa tâche ou revenir en arrière, c'est qu'on a un peu d'autonomie. Là, on suit point par point, ok, on valide. Et puis, on a des quotas de productivité qu'on doit suivre. Donc, je me retrouvais dans un truc hyper moderne. En Allemagne, ils appellent ça de la logistique 4.0. Et ils disent c'est super techno quoi. Et en fait derrière ça il y a des métiers ouvriers qui ressemblent à ceux du début du 20e siècle quoi, qui sont vraiment des métiers hyper taylorisés. Ça c'est le mot pareil, le taylorisme c'est fini, ça a disparu quoi. Grâce aux nouvelles technologies. En fait non, ça marche pas. Clairement ça marche pas. Et ça permet de montrer aussi que le monde ouvrier il se transforme et qu'en fait ça disparaît pas. Et l'exemple Amazon il est très bien pour ça par exemple. Maintenant tout le monde est conscient un peu de ce que c'est l'entrepôt Amazon et du fait que les ouvriers dans l'entrepôt c'est pas cool quoi. C'est un truc qui s'est diffusé. Essayez de revenir un peu en arrière dans votre mémoire. Au début d'Amazon en France, l'image qui est diffusée d'Amazon par les médias et l'image qu'Amazon produit, il cherche à produire en permanence et cherche à reproduire aujourd'hui avec d'autres manières, hein, c'est que Amazon, et c'est les mots qui étaient employés même, y compris par des chercheurs, hein, Amazon c'était du e-commerce, de l'économie numérique. Il y en a qui disaient que c'était de l'économie du savoir. Il y avait cette image-là, quoi. Tout le monde s'est dit à un moment, ok, c'est une page internet, un logiciel, on clique, et ça arrive à la maison. C'était magique, quoi. Vraiment magique. Et c'était vraiment impressionnant de voir ça, quoi. Et heureusement, il y a eu des enquêtes journalistiques, il y a eu des grèves dans les entrepôts. Et aujourd'hui, tout le monde en est conscient. Mais c'était pas le cas, quand même, au départ, quoi. C'était pas comme ça que ça fonctionnait. Et ça, c'est important de voir que derrière la vitrine technologique, on a comme ça un monde ouvrier, avec des conditions de travail extrêmement dures, qui peuvent être très différentes, en fait. C'est pas les mêmes exactement chez Amazon que dans les entrepôts que moi j'ai observé. Donc moi c'était que des Carrefour, Leclerc, Super U, des trucs comme ça. Aujourd'hui on cible beaucoup Amazon parce que effectivement chez Amazon il y a quand même une façon de contrôler les ouvriers, une façon d'utiliser l'algorithme qui est un peu plus perfectionnée qu'ailleurs. Mais Carrefour c'est commande vocale, hein. Amazon il n'y a pas de commande vocale, c'est pas terrible non plus, voire c'est pire. Mais voilà, à chaque fois il y a contrôle, cadence, il y a des ports de charge très très lourds. Dans la grande distribution, c'est 7-8 tonnes. Dans les fruits et légumes, c'est 10-12 tonnes de produits soulevés par personne et par jour. Donc là, vous pouvez mettre toutes les précautions sécurité sanitaire que vous voulez. Quand quelqu'un qui soulève 10 à 12 tonnes par jour, en fait, son corps lâche au bout de 4 à 5 ans, il commence à avoir plein de problèmes partout. Chez Amazon, ils font 25-30 km par jour, c'est pareil, c'est pas possible pour les genoux de faire 35-30 km dans des allées répétées. C'est pas du sport, hein, c'est des gestes répétitifs. Tout ça, c'est des maladies de l'hyper-sollicitation. On hyper-sollicite des gestes parce que le métier est très taylorisé, on fait tout en même geste. Et ça, c'est partout dans la logistique, dans tous les entrepôts. On a du mal à se rendre compte de l'aspect matériel, de la dématérialisation du monde, en fait, notamment avec Amazon et tout Internet, quoi. Et dans un article que tu as écrit qui s'appelle « Quand l'ouvrier devient robot », il y a deux citations de personnes que tu as enquêtées que je trouve... assez révélatrice de tout ce que tu dis, donc je vais citer ces entretiens-là. Donc Arthur qui dit « J'ai failli me barrer tout de suite, je trouvais ça trop glauque, franchement, ça fout les jetons. Il m'avait dit à l'intérim, vite fait, mais quand tu le vois, c'est autre chose. La voix et tout, qui te fait répéter ces mots, je n'ai pas compris. Surtout au début, quand tu gères mal le truc, ça le fait tout le temps, tu deviens fou. Mais c'est pour ça que tu te remets à fumer, franchement, quitte à être lobotomisé, autant être stone. » Ok, et alors le deuxième entretien qui m'a un peu fait froid dans le dos, c'est un enquêté qui dit c'est trop un truc de zombie. Donc toute cette commande vocale numérisée, ça a non seulement des dégâts physiques, etc., mais aussi sur la psyché, sur l'imaginaire, sur les représentations, etc. Et dans tes articles, tu cites... Notamment quelqu'un qui, sans faire exprès, rentre chez lui et qui dit à sa femme répéter parce qu'il a intériorisé pendant je sais pas combien de fois la journée, qu'il devait répéter à sa propre machine. Enfin, c'est quand même complètement. On est sur une économie du mental qui est super intrusive.
Alors je vais commencer à dire c'est super grave et après je vais dire en fait c'est pas si important. Ah ok, d'accord. Voilà, parce qu'en fait, c'est... bon déjà c'est ancien ça, l'alcool ouais. et le cannabis dans le monde ouvrier pour le faire passer le travail, pour lutter contre la monotonie, bon c'est hyper ancien. Aujourd'hui l'alcool c'est vraiment compliqué dans les boîtes. Par contre, le shit, c'est beaucoup plus simple, quoi. De fumer un pétard à la pause, c'est beaucoup plus discret que de boire de la bière. Et effectivement, en entrepôt, quand on a un process de travail comme celui-ci, on est obligé de suivre point par point une machine. En fait, de fumer un joint avant ou pendant le travail, non seulement ça dérange pas, mais ça peut aider. Ça peut aider parce qu'il faut surtout pas être proactif quand on est sous commande vocale. Il faut vraiment suivre la machine. Et dès qu'on essaie d'être proactif, c'est-à-dire de trouver, d'inventer des petits trucs, de se trouver des petits moyens d'aller plus vite ou de chercher à contourner la machine. Dès qu'on essaye ça, ça la fait bugger, c'est l'enfer. Le meilleur moyen de bien bosser, c'est de ne pas réfléchir et de faire ce qu'ils appellent tac-tac-tac. Donc la formule, c'est tu fumes ton joint et tac-tac-tac. Et là, c'est bon, quoi. Et ça, c'est un peu triste. Ça veut dire que si tu trouves un moyen de déconnecter ton cerveau, ça sera plus facile de passer ta journée de travail. Et tout ça, en fait, ça génère une représentation de soi. Quand on en est arrivé là dans le travail, soi-même, on a une représentation de soi qui est souvent désignée par les ouvriers eux-mêmes comme le terme de robot. On est devenus des robots, les cadres aussi disent ça, c'est des robots, c'est triste quoi. Et ça, c'est à la fois le mot il est important, ça permet de désigner la perte de savoir-faire, l'absence d'autonomie. Par contre, il faut s'en méfier un petit peu, parce que des fois c'est utilisé par les critiques ou par les chercheurs, par des militants, de façon complètement illusoire en disant « Ah, ces types sont complètement robotisés, lobotomisés. » Et en fait, on a l'impression que les gens deviennent débiles, quoi. Ouais, c'est pas ça. Il y a aussi une résistance à l'intérieur. Voilà, il y a toute une résistance. Eux, l'enjeu, en fait, pour eux, c'est d'essayer de se démarquer le plus possible de ce repoussoir, cette image super glauque du robot, quoi. Et en fait, des fois, quand on a un problème au travail comme ça, le meilleur moyen de s'en démarquer ou le meilleur moyen de ne pas se faire accuser d'être un robot, c'est de le dire tout de suite. Et moi, en entretien, les gens me disent tout de suite, on est des robots, parce que souvent, ils préfèrent anticiper la formulation plutôt que ce soit quelqu'un d'autre qui le formule. Donc, il faut un peu se méfier de cette formule. Quand un ouvrier le dit, ça n'a pas le même sens que si nous, on dit, ah, de toute façon, vous êtes que des robots. Alors, vous voyez bien, il suffit que moi, je le prononce, vous êtes que des robots, ça ne se dit pas, en fait, c'est pas possible. Et dans le quotidien de travail, en fait, c'est un milieu qui est très ouvrier, donc il y a beaucoup de blagues, c'est un univers où il y a beaucoup de jeux, où il y a un rapport au patron qui est très dur. C'est vraiment un monde ouvrier où, moi, j'ai vu plusieurs fois des ouvriers violenter leur supérieur, quoi, sans se faire licencier forcément après. Parfois, c'était une grosse beigne. Donc, c'est des mondes ouvriers où il y a encore tout ça aussi, quoi. Pour ça, je ne vais pas montrer juste le côté glauque, les gens se taisent, il n'y a plus rien. On est aussi dans du monde ouvrier un peu rude où il y a tout ça, quoi. Donc, faut y penser. Puis là, l'autre chose à laquelle il faut penser, donc on sort un peu du sujet strict, mais c'est vraiment important. En fait, c'est super glauque ce truc-là, et y a des gens qui le décrivent, mais le Arthur que tu décris, juste avec son prénom, vous auriez peut-être pu capter un petit peu, quoi. Arthur, c'est pas un nom de gros prolo de 45 ans. Arthur, c'est un étudiant. Et en fait, les étudiants, ils peuvent avoir ce discours-là de c'est vraiment horrible, quoi. Mais en fait, pour des ouvriers qui sont dedans, qui vont y rester un certain temps, tu peux pas dire je deviens fou, parce que tu deviens pas fou tous les jours pendant 10 ans en restant là, quoi. La condition de rester, c'est d'accepter un petit peu, quoi. Donc, ils ont pas le même discours. Et en plus, ceux qui sont vraiment ouvriers, ils savent bien que l'entrepôt, c'est dégueulasse. Mais en fait, avant l'entrepôt, souvent, ils viennent de l'abattoir, où ils ont fait un peu de centrale nucléaire. Alors, l'abattoir, c'est dégueulasse, mais en plus, c'est froid, il y a du sang, troubles musculo-squelettiques. Ouais. Quand ils ont fait du nucléaire, ils ont eu des gros salaires pendant des périodes, mais là, il y a le risque de cancer, tout le monde est au courant, et ça fait peur. Donc, ils font ça 2-3 ans, ils gagnent pas mal d'argent. Puis après, ils arrivent dans l'entrepôt, et l'entrepôt, c'est pas pire qu'ailleurs, en fait. C'est le mot qui revient tout le temps, c'est pas pire qu'ailleurs. Donc, il faut bien comprendre que si eux se révoltent pas d'un coup comme ça, c'est parce que leur champ des possibles, on appelle ça en sociologie, leur univers, il est assez fermé. Ils ont pas 15 000 possibilités. Et quand on n'a pas 15 000 possibilités, on ne peut pas se révolter comme ça d'un coup en arrivant dans un entrepôt parce qu'il y a une commande vocale. Ouais. Voilà. Je suis un peu sorti du coup, mais voilà. C'est important de comprendre qu'en fait, ces gens-là ne sont pas fous, c'est juste qu'ils n'ont pas 15 000 possibilités pour gagner un salaire. Ouais, c'est sûr. Enfin, moi, je vois dans cette... Dans ce que tu dis sur ils n'ont pas le choix et en même temps il y a des résistances, etc. Aussi une critique généralisée du travail et du monde du travail aujourd'hui et de l'aliénation au travail. Et donc sur le blog de Floraison, on a fait un podcast sur Libérons-nous du travail du comité érotique révolutionnaire qui est plus édité malheureusement, mais qui est sur Floraison.
Et justement, ils font toute une critique de l'aliénation au travail, de comment on est devenu des marchandises et de la souffrance que ça engendre. Et face à ça, en fait, le besoin de se radicaliser, le besoin de montrer d'autres mondes possibles, hors du travail, hors de l'aliénation monétaire aussi. Voilà, bah justement, on peut peut-être passer à quand même la partie qui est quand même, je trouve, la plus intéressante, c'est comment lutter contre à la fois ces emplois précaires et cette quand même robotisation des personnes et des tâches à faire, et aussi contre l'extension de ces plateformes logistiques qui ont un coût écologique évidemment très fort, aussi économique. Voilà, pour toi, tu as pu expérimenter, notamment avec le mouvement des Gilets jaunes, plusieurs blocages de plateformes logistiques. Est-ce que tu peux nous en parler ? Ouais, du coup, je précise un peu, j'ai déposé des brochures là-dessus. Je fais partie d'un groupe qui s'appelle la plateforme d'enquête militante et qui a fait des enquêtes militantes sur, donc là, c'est plus côté universitaire, c'est vrai, mais qui a fait des enquêtes militantes sur les entrepôts, avec qui on a publié des articles sur les croisements qui s'étaient produits en Ile-de-France entre Gilets jaunes et logistique. Du coup, c'était assez intéressant, des croisements dans les deux sens, hein, puisqu'en fait, ça ressortit dans certaines enquêtes statistiques qui étaient un peu bidon, mais bon, un des profils types du gilet jaune, c'est un peu absurde d'avoir un profil type gilet jaune, hein, mais un des profils types qui est sorti dans certaines enquêtes, c'était l'ouvrier de la logistique. Et de fait, il y a eu beaucoup, enfin, si vous avez participé au mouvement, vous en avez peut-être croisé, mais c'est vraiment des populations ouvrières qui sont beaucoup mobilisées dans le mouvement des gilets jaunes. Et ce qui est assez compréhensible, puisqu'en fait, c'est des populations où il y a peu de syndicats. Dans les entrepôts, c'est très peu syndiqué, parce que c'est éclaté, parce que c'est difficile de faire du syndicalisme aussi là-dedans, et parce que les syndicalistes qui le font pas toujours bien aussi, mais qui du coup se défendaient pas, arrivaient pas à se défendre sur leur lieu de travail, et tout d'un coup ils ont eu la possibilité de se défendre autre part que sur le lieu de travail, les samedis, dans les manifs, ça a ouvert un champ des possibles énorme du point de vue de leur lutte et de leur subjectivité à eux, de penser comme révolutionnaire tout d'un coup le samedi dans la rue parce qu'on n'y arrive pas dans sa boîte. Pour eux, c'était très fort. Et puis il y a le sens inverse aussi, en fait, le mouvement des gilets jaunes, mais déjà avant, hein, le mouvement loi travail, il y avait déjà beaucoup ça. On commençait à prendre la logistique comme un outil de lutte. Depuis 2016, il y a quand même ce truc qui s'est un peu répandu partout, cette idée que je vous ai dit tout à l'heure, hein, que si on veut bloquer l'économie, c'est pas à la sortie de l'usine Renault que ça va se passer. Bien souvent, c'est sur des zones logistiques. Ça a beaucoup essaimé dans tout le militantisme français, depuis aussi le comité invisible qui avait déjà commencé à formuler ces choses-là, bon, sans jamais parler des ouvriers qu'il y avait dans les entrepôts, ce qui était un problème à mon avis, mais avec déjà cette idée-là de blocage des flux qui a vraiment essaimé, donc il y a des choses qui ont beaucoup bougé. Par contre, sur ce qu'on peut faire, puis après bon, on va en discuter ensemble, mais il y a quand même deux choses différentes. Il y a ce qui peut être fait dans l'entrepôt ou auprès de l'entrepôt en soutien des ouvriers de la logistique. Et ce qui peut être fait contre la logistique au global, quoi, ou contre des boîtes comme Amazon. Et là, c'est un peu différent. Je pense qu'il y a des croisements possibles, hein, mais c'est pas exactement la même chose. Ce qui a beaucoup été fait en Ile-de-France avec les Gilets jaunes, c'est du soutien des luttes dans la logistique, et notamment auprès d'un entrepôt de Géodis, qui en plus c'est une filiale de la SNCF, donc c'était un peu le côté public, ça renvoyait à plein de thématiques Gilets jaunes, vraiment, quoi. Le secteur public qui crée des filiales privatisées, qui font d'énormes bénéfices quand on nous dit que la SNCF a plus d'argent, en fait l'argent il est dans ces trucs là, hein, dans Géodis, où en plus les conditions de travail sont dégueulasses, et ça pour les Gilets jaunes c'était super intéressant de rencontrer ces ouvriers de la logistique qui eux ont été véreux, hein, c'était des gens qui dès le départ ont été les samedis en manif, c'est des CGTistes pour la plupart, hein, mais de la partie des CGTistes qui ont été dès le début présents dans le mouvement et qui ensuite ont été dans les AG et qui au bout d'un moment commençaient à dire mais en fait si vous voulez bloquer des trucs, nous on a les horaires, on sait où ça passe, on connaît le truc, faut qu'on en discute ensemble, quoi. Puis il y avait toute une culture du barbecue, de la palette et du feu, il y a des choses qui croisaient bien, quoi, et qui ça matchait très correctement. Et il y a plein de choses intéressantes qui se sont produites, qui seraient à alimenter à mon avis, quoi, d'essayer d'aller vers ces gens-là, de regarder ce qui se passe dans les entrepôts. Par contre, c'est un peu autre chose de faire ça que de chercher à empêcher l'installation d'un entrepôt Amazon, même si j'ai bien dit les deux peuvent se croiser, quoi. C'est un peu une autre dynamique. Empêcher l'implantation d'un entrepôt Amazon, je pense que c'est hyper intéressant. C'est d'autres outils de lutte. Mais là où c'est intéressant, c'est que le risque avec la logistique, comme dans plein d'autres domaines, hein, c'est de se mettre à défendre des luttes ouvrières. Ça, c'est super important à mon avis, hein. Mais on a le droit aussi d'attaquer le modèle global, quoi. De dire, en fait, ce truc est dégueulasse, hein. Et c'est pas de dire que les ouvriers dedans sont dégueulasses aussi, mais le truc dans lequel ils sont est dégueulasse. On a le droit de l'attaquer au global
Et d'empêcher l'arrivée d'un entrepôt Amazon, ça permet ça, par exemple. C'est vachement intéressant. Ça permet de dire, le travail que ça va créer, c'est dégueulasse, mais aussi, ça va utiliser des terres. Donc, c'est même pas qu'on va attendre qu'il arrive pour dire, ah, c'est pas bien les conditions de travail. C'est que non, en fait, on n'en veut pas. C'est un refus global. Et ça permet ça aussi. Donc, ça, c'est vachement intéressant. Et ça, c'est un peu nouveau, par contre. C'est des trucs à développer et à essayer, en s'inspirant sûrement de la lutte, de toutes les luttes contre les grands projets inutiles, de l'occupation des terres et des ZAD. Et de tout ça. Hein. Mais ça, il y avait vraiment des choses à construire dans ce domaine-là. C'est très ouvert et il y a plein de choses à faire. Bah ouais, justement, en plus, on est particulièrement concernés à ce niveau-là en tant que Lyonnais et Lyonnaises. Parce qu'il y a le projet de construire la plus grande plateforme logistique d'Amazon à Colombier, Saugneux et à Saint-Laurent-de-Mur, enfin, entre les deux. Donc, un entrepôt de 160 000 mètres carrés, tout ce qu'il y a de plus horrible, avec 1700 travailleurs en 3-8 qui pourraient comme ça faire fonctionner le truc tout le temps, 71 quais pour le trafic routier, et avec aussi, alors ce qu'ils mettent, c'est que ce serait un peu l'entrepôt pionnier en termes de d'intelligence artificielle, etc. Bref, en soi, un bon petit projet. Et il y a plusieurs associations qui se mobilisent contre, notamment la CENAS, donc l'association contre l'extension des nuisances de l'aéroport et de Lyon-Saint-Exupéry. Voilà, parce qu'avec bah, évidemment le trafic routier, ça augmente les nuisances, etc. Donc il y a vraiment des associations qui se mobilisent. Elles ont fait un recours administratif en décembre 2018, et puis en fait, il a été rejeté par le juge. Des référés en juin 2019, donc on ne sait pas trop ce qui va se passer avec le projet. Enfin, ils essayent de continuer la lutte, etc. Et je pense qu'il y a beaucoup de gilets jaunes et de personnes qui se mobilisent contre ce projet-là. Donc, à voir comment on peut faire. Mais voilà, c'est exactement ça, c'est lutter contre Amazon et son monde, comme ça a été le cas à Notre-Dame-des-Landes ou dans d'autres lieux, à Brabant, etc. Et un peu l'objectif de ces deux jours de conférences autour d'Amazon, c'est véritablement de savoir aussi comment on peut s'organiser, quelle lutte on peut créer pour contrer ce projet-là qui est encore dans les tuyaux d'Amazon et de la métropole en général. Spécialiste du sujet, mais oui, en fait, il est déjà même quadrillé. Donc, en fait, le recours a fait que ça s'est totalement stoppé, mais ils ont déjà le, enfin, il est déjà même nivelé, etc. En fait, il est acquis par. Avant, ou comment ils ont fait ? Parce que c'est des terres agricoles, non ? Alors moi, j'ai pas la réponse sur les terres agricoles, mais sur l'acquisition du terrain, c'est un promoteur qui achète le terrain. Mais ils ont obligé les gens à vendre comme pour le stade de dessin. Alors ça, je sais pas, mais juste pour finir sur l'histoire du promoteur, c'est en fait tous il y a un énorme marché de l'immobilier logistique qui s'est créé, quoi. C'est aussi un marché immobilier qui est. Et en fait, ils construisent en surface de zone logistique. Il y a autant de surfaces de zone logistique que de surfaces de bureaux qui sont construites en France. Donc c'est énorme en fait. Et les bureaux en plus, c'est sur des étages, là, c'est tout plat. C'est des volumes énormes. Donc il y a tout un marché énorme avec des énormes promoteurs. Et là, c'est un promoteur qui achète le terrain. Sans dire ce que c'est au départ, quoi. Les élus locaux disent qu'ils savent pas ce que c'est. Enfin, ils ont longtemps dit qu'ils savaient pas ce que c'est, ce que c'était. Je pense qu'ils l'ont su à un moment, mais en fait, ils l'ont pas su au départ. Ça, c'est vrai. Hein. Au départ, dans la négociation, le promoteur impose de pas dire qui c'est, ou alors ils disent qu'ils savent pas qui ça va être. Et en fait, le premier signal, c'était que vu la surface, 160 000 mètres carrés, c'est énorme. C'était à peu près sûr que c'était Amazon. Mais au départ, les élus locaux, eux-mêmes, c'est possible, ne le savaient pas. Hein. Donc c'est vraiment géré par des promoteurs immobiliers qui aujourd'hui montent des zones industrielles, des zones logistiques partout comme ça en France. Ils en laissent à l'abandon, ils en reconstruisent d'autres, ils se déplacent. Parce qu'en fait, c'est très mobile en plus.
un entrepôt, c'est pas comme une usine, hein, il suffit de le démonter, de le remonter, il n'y a presque pas d'infrastructure, c'est pas très lourd, c'est pas des machines, ça bouge beaucoup. Et quand ça bouge, ils abandonnent, ils reconstruisent, ils abandonnent, et donc ils en laissent partout en friche. Il y a tout un marché autour de ça, quoi. Depuis le début du monde industriel, il y a toujours un Rambo qui va remplacer l'ouvrier. Il a toujours existé depuis... Un des premiers philosophes du monde industriel, en 1830, c'est un mec qui était à la fois philosophe, puis il avait plein de business dans les manufactures de tissus. Et lui, il avait tout un discours, il disait « Vous verrez bientôt, la plus parfaite de mes manufactures sera celle où on se passera du travail des mains. » C'était en 1830. À l'époque, il y avait une mortalité incroyable dans l'industrie textile, le mec, il n'avait pas honte de dire ça. En fait, ce discours, il a toujours existé. Il a toujours existé. Et quand on regarde ce qui se passe historiquement, hein, depuis le début de la révolution industrielle, à chaque fois, on a des nouvelles technologies qui vont faire augmenter la productivité. Et très rarement, on a un métier qui disparaît. En fait, on a des métiers qui se transforment, qui explosent, qui sont répartis en plusieurs tâches. Parfois, il y en a un qui va se retrouver à faire une tâche toute simple, hyper simple. On a un métier complexe au départ, puis tout d'un coup, des tâches très simples qui sont divisées. Puis ces tâches vont se rediviser, se rééclater. En fait, on a une vision un peu mythique de la technologie qui arriverait et qui remplacerait quelqu'un. Et ça ne se produit presque jamais. Et non seulement au global, vous savez, le truc des destructions créatrices, ça c'est dans l'économie au global, ça veut dire que la technologie, ça fait disparaître des emplois et ça en crée d'autres, mais au local, vraiment, dans un lieu de travail, ça ne se passe pas comme ça ou très rarement. En fait, on intensifie le travail, on l'accélère, peut-être qu'on va avoir le même entrepôt qui fonctionne avec 200 personnes, avec plein de technologies, c'est ce qui se passe chez Amazon, il va se retrouver à fonctionner avec 150 personnes. En fait, l'entrepôt avec zéro personne, il existe très peu. Il y en a déjà un petit peu. En fait, il y a quelques entrepôts qui sont très automatisés, pas entièrement, mais très automatisés en France. Ça fait 15 ans qu'on nous en parle, qu'on nous dit que ça va tout remplacer. Pour l'instant, ils se comptent sur les doigts d'une seule main. C'est sur des produits très spécifiques, ça coûte très cher. Ça coûte très cher dans la grande distribution. D'investir des très grosses sommes, c'est même plus possible aujourd'hui. C'est un truc entièrement financiarisé. Donc les investissements, il faut qu'ils soient remboursés en 2-3 ans. Ce qui n'est pas possible sur un matériau comme ça. En plus, ils sont pas mobiles, ces entrepôts qu'on ne peut plus bouger. Et de pouvoir bouger ces entrepôts, c'est vachement utile. Aujourd'hui, quand il y a une variation du prix du pétrole, Carrefour, ils remoulinent leur logiciel pour savoir où est le meilleur endroit pour leurs entrepôts. Ils abandonnent les anciens, donc ça fait des friches, ils en reconstruisent d'autres, 10-15 km à côté, parce que ça coûte moins cher en essence pour livrer les magasins. Vous voyez le truc, ils utilisent la mobilité des entrepôts pour que ça leur coûte moins cher. D'imaginer une infrastructure logistique qui serait entièrement automatisée, c'est un truc énorme qui va peut-être arriver, pas d'un coup, dans très longtemps. Donc, et pourtant, aujourd'hui, maintenant, tout de suite, et c'est là que ça produit déjà des effets, si vous tapez sur Google logistique, vous allez tout de suite tomber sur les 5 entrepôts dont je vous parle. On les voit partout dans les médias, sur la minute technologie de BFM TV, on en parle tout le temps. C'est un truc qui revient toujours. Donc moi, je trouve que c'est important de considérer, surtout que moi, je ne connais pas l'avenir, et puis que je crois que l'avenir, il dépend aussi de la lutte des classes. Je suis un peu matérialiste sur les bords, mais je crois qu'on a un impact, pour le dire plus sérieusement, on a un impact, nous, sur notre avenir. Donc j'ai pas envie de prophétiser un avenir qui serait comme ça, parce que je le trouve pas terrible. Et en plus, c'est pas sûr du tout, et ça risque d'être très long. Mais par contre, c'est un impact, parce qu'en fait, on fait croire aux gens que tout ça a déjà disparu. Donc pour nous, ça serait de dire « oui, mais c'est pas la peine de s'en inquiéter, ça va disparaître ». Et en plus, et ça c'est encore plus grave de mon point de vue, enfin parce que je l'observe, mais on fait croire à ces ouvriers-là qu'ils vont disparaître. On leur dit tout le temps ça maintenant, tout le temps. Les caissières, à chaque rendez-vous annuel, on leur rappelle, la caisse automatique, vous savez, il faudra peut-être faire attention de ne pas trop râler au travail quand même. Donc ça, ça a déjà un impact énorme, ce discours-là, donc il faut vraiment se méfier. C'est important de regarder, ça va créer plein de choses, les machines et l'augmentation de la mécanisation du travail. Mais de parler automatisation, intelligence artificielle un peu trop vite, c'est des chimères en fait. C'est des chimères. Moi, la commande vocale, le truc qui parle OK 1-2 là, ils appellent ça de l'intelligence artificielle. Hein. C'est ça aujourd'hui dans le monde ouvrier, l'intelligence artificielle, le numérique, c'est des trucs de ce style-là. C'est pas incroyable, c'est pas des trucs qui volent. Et voilà quoi. Et Amazon, c'est ça, ils font tout le temps ça. Quand ils ramènent les histoires des drones, quand ils ramènent l'histoire du Zeppelin, oui. Tous ces trucs-là, ça sert à invisibiliser le fait qu'Amazon, ça repose sur l'exploitation massive d'une main-d'œuvre ouvrière dans des énormes entrepôts. Que c'est extrêmement matériel, tu parlais de dématérialisation, ça prend plein d'espace agricole, ça prend plein de place, ça fait des camions, c'est dégueulasse quoi. Et eux, ils ont une entreprise de communication énorme pour essayer tout le temps d'effacer ça, en permanence quoi. Et ça, le problème, c'est que c'est repris des fois par les critiques aussi. Quand j'ai vu sur les articles sur l'entrepôt lyonnais, il y avait, alors, je ne sais plus, quelqu'un d'une collectivité locale, un élu, je crois, hein,
qui disaient, mais non, en plus, lui, il était dans la critique d'Amazon, hein. Ils disaient, mais en fait, c'est n'importe quoi. Ils racontent qu'ils vont créer 1700 emplois, mais leurs entrepôts, ils vont bientôt être automatisés. Grosse erreur de critique. C'est pas un bon appui pour la critique de dire ça. C'est une bêtise. C'est reprendre leur discours en essayant d'en faire une critique. Ça, je crois que ça marche pas. Faut s'en méfier un peu. Mais en tout cas, eux, ils vont tout le temps essayer de renouveler ce discours-là. Et ce discours-là, il est omniprésent depuis le début de la révolution industrielle, depuis le début du capitalisme. C'est un discours qui permet de renouveler l'idéal du capitalisme. Un des idéaux du capitalisme, ce serait de faire disparaître, grâce au progrès, la pénibilité, les gestes répétitifs. Pour l'instant, c'est jamais arrivé. Et les gens qui prédisent que ça va arriver, après j'arrête, mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils nous parlent de disruption. Vous avez peut-être entendu ce mot-là, on est dans une phase disruptive. En fait, ils nous essayent de nous faire croire que l'histoire, c'est un cycle continu. Hein. Il y a pas de... Là, ça va, là, promis, ça va s'arrêter d'un coup et ça va changer. Vous êtes libre d'y croire, c'est une hypothèse hyper risquée sur l'avenir. Mais... En fait, il y a un peu de tout. Ça dépend beaucoup de où on se situe et quelle entreprise on regarde, quoi. Au global, c'est plus de 80% d'hommes qui sont plutôt jeunes. Ils sont jeunes tout simplement parce qu'on ne peut pas vieillir en entrepôt. Aujourd'hui, je le dis cyniquement, mais on ne peut pas vieillir en entrepôt. L'INRS, les dernières enquêtes de l'INRS montrent ce que je disais tout à l'heure. Au bout de 4 à 5 années, le corps commence à lâcher à divers endroits, quoi. Et comme il n'y a pas d'évolution de carrière possible, les gens s'en vont, quoi. Ils s'en vont d'eux-mêmes, en fait. Ils le savent très bien, quoi. Et c'est pour ça aussi que c'est difficile de mener des luttes en entrepôt. De toute façon, on peut pas s'y ancrer, on peut pas y rester, quoi. Et 4 à 5 années, c'est plus rapide que ce qu'on avait auparavant dans l'automobile, ce que connaissaient les ES. Donc, c'est plutôt des jeunes, plutôt des hommes. Et ensuite, il y a quand même, au niveau homme-femme, il y a certains segments de la logistique qui sont très féminins. Et ça a tendance à se développer un petit peu. Alors, pour l'instant, c'est pas grand-chose, mais c'est important à retenir. Il y a quand même des entrepôts de la pharmaceutique, du textile, où on emploie parfois quasiment uniquement des femmes. Pour des critères purement sexistes, il faut être plus rigoureux, plus minutieux. En fait, de trimballer des cintres toute la journée dans un entrepôt textile, c'est extrêmement vrai, ça fait très mal aux bras. C'est des femmes qui peuvent plus lever les bras au-delà de cette hauteur-ci après, quoi. Des TMS, ouais. Et vraiment, celle du textile, des femmes du textile dans les entrepôts, c'est de pas pouvoir lever les bras au-delà de cette hauteur-là. Avec un truc symbolique qui est tout le temps répété en entretien, c'est des femmes jeunes, hein, 35-40 ans, qui disent « je ne peux plus soulever mon enfant de toute façon ». C'est le geste toujours qui est répété. Donc il y a des femmes, un petit peu, moins quand même que les hommes. Et après, selon qu'on se situe dans des zones plutôt rurales ou dans les grosses métropoles, il y a une très grosse différence. Dans les grandes métropoles, c'est une main-d'œuvre qui est très racisée. Dans les entrepôts des grandes métropoles, il n'y a que des Noirs et des Arabes, pour le dire très simplement, avec souvent une division... En région parisienne, c'est des ouvriers plutôt stables, arabes, et des intérimaires noirs, avec un recrutement qui produit ça au final. Ça ne veut pas dire qu'on recrute uniquement des noirs comme intérimaires, mais ils ont une logique de recrutement qui produit des effets racistes, très clairement, quoi. Donc c'est une utilisation raciste de la main-d'œuvre, de toute façon. Mais par contre, comme il y a des entrepôts partout, on a aussi... quand les entrepôts ont émergé, par exemple, dans les années 70-80, il y a toute une partie du monde agricole qui s'est orientée vers là, et des entreprises qui embauchaient uniquement des anciens agriculteurs aussi, parce que c'était un peu dur à la tâche. Donc voilà, il y a un peu tout le monde ouvrier d'aujourd'hui, plutôt jeune, parce qu'on ne peut pas y vieillir. Et après, sur CDD, CDI, alors c'est un secteur qui emploie beaucoup d'intérim, quand même. Et normalement, très peu de CDD, parce que ça se fait pas... Eux, l'intérim, c'est beaucoup plus simple pour eux, quoi. Mais, en fait, pour moi, c'est pas forcément le premier truc à attaquer. Et pourquoi? Parce qu'en fait, quand on a un CDI en entrepôt, on n'est pas beaucoup plus stable qu'un intérimaire. Si de toute façon on commence à avoir des problèmes de santé ou de tout simplement on en a marre, parce qu'en fait les gens en ont marre, même sans problème de santé, les gens s'en vont d'eux-mêmes. Donc en fait, la durée moyenne des CDI est assez courte, parfois parce que les gens sont poussés dehors, mais souvent ils s'en vont d'eux-mêmes, quoi. Donc il y a quand même plus d'intérim, c'est 20% de main-d'œuvre intérimaire, ce qui est plus que. Enfin, c'est les secteurs qui utilisent le plus ça. Mais il y a des entreprises, Amazon par exemple, ils cherchent à embaucher en CDI. Donc eux, ils ont des grosses périodes de pic d'activité où ils doublent la main-d'œuvre, ils embauchent plein d'intérimaires. Donc ça, c'est un peu particulier à un moment de Noël. Mais sinon, le reste de l'année, ils cherchent à embaucher en CDI, ils cherchent à embaucher des gens qui sont éloignés de l'emploi, c'est leur terme. Des femmes, typiquement 45-50 ans, avec plusieurs années de chômage. Ils cherchent ce type de main-d'œuvre parce qu'ils ont besoin de stabiliser une main-d'œuvre. C'est important pour eux, hein. Et comme eux aussi, leur univers de travail n'est pas terrible, les gens se barrent. Donc ils ont un turnover énorme,
c'est compliqué, ils ont besoin de gros bassins d'emploi avec plein de gens disponibles au chômage parce que ça tourne tout le temps. Ici, apparemment, ils vont avoir des problèmes avec ça. Et du coup, quand ils trouvent des femmes de 45-50 ans qui n'ont vraiment plus le choix, si elles veulent aller jusqu'à la retraite, ils leur proposent des CDI. Donc en fait, le CDI, c'est aussi un moyen d'encadrer la main-d'œuvre. Il n'y a pas que la précarité et l'intérim pour encadrer la main-d'œuvre, il y a aussi fixer les gens, les garder chez soi. Non, je pense que c'est un des nœuds du problème là, de ce qu'essaie d'être posé ce week-end, de créer les liens entre les deux. Quoi. Après, moi, je vais apporter mon côté... les enquêtes que j'ai menées, c'était aussi pour comprendre le monde ouvrier, donc c'est plutôt ça. Mais le nœud du problème, c'est d'articuler les deux. Et c'est pas si simple, c'est un peu nouveau, mais je pense qu'il faut essayer de le faire. Alors juste quand même un truc, par exemple, sur Géodis, qu'on a un peu mis en avant ces luttes-là, c'est pas tout à fait des luttes syndicats à partie, quoi, c'est un peu différent. Et quand je disais, par exemple, faut essayer d'attaquer la zone logistique comme un ensemble, ça marche pas avec un syndicat, parce que c'est des syndicats différents dans chaque boîte. Ça, c'est des trucs qui sont en construction en Ile-de-France, par exemple, et qui, je pense, vont peut-être se développer ailleurs. Des coordinations autonomes d'ouvriers de la logistique qui iraient animer, entre guillemets, des zones logistiques, quoi, qui iraient créer quelque chose d'un peu plus fort que juste défendre ses conditions de travail et qui pourraient produire des discours d'émancipation du travail. Donc c'est plutôt moi ça aussi que j'ai envie de mettre en avant et pas que les formes anciennes de lutte syndicale. Et après, pour essayer de connecter les deux, parce que moi je suis persuadé que on peut pas dire que c'est complètement contradictoire lutte ouvrière et ce qu'on pourrait faire contre un entrepôt Amazon, puisqu'en fait ça semble compliqué de lutter contre tout secteur de la logistique en se coupant ou en s'opposant aux ouvriers qui travaillent dedans. Il faut chercher les points de rencontre. Je les connais pas tous, c'est vraiment un truc à explorer. Il y en a un par contre que je pense important, et ça tu l'as dit un petit peu, le fait de mettre sa tente sur une zone logistique et d'empêcher ça, en fait d'être sur place, ça crée de l'info. Et ça, ce que je veux dire, c'est d'utiliser l'enquête militante, pas une enquête de chercheur, une enquête où on met vraiment les pieds dedans et on fait avec les gens. Utiliser l'enquête pour comprendre comment fonctionne la logistique, pour comprendre pourquoi elle s'implante là, pour comprendre où est-ce qu'on peut la bloquer, de le faire avec les ouvriers qui sont les meilleurs détenteurs d'informations de ce point de vue-là, pour au final attaquer au global le système. Là, on trouve des points de jonction, quoi. On a un outil, l'enquête, qui permet de comprendre le secteur en détail et ensuite d'aller où ça fait mal, quoi. Il faut chercher des points de jonction comme ça. Je pense qu'il y en a d'autres, mais en tout cas, il y a un vrai intérêt avec ça, quoi. Amazon, pour ça, c'est le meilleur point d'entrée. En fait, c'est pas... Je pense que stratégiquement, il faudra dépasser cette obsession pour Amazon, mais pour un point d'entrée vers des zones comme ça, c'est la meilleure chose. Ça regroupe tout ce que les gilets jaunes détestent, tout ce que tout le monde déteste Amazon. C'est pas juste une blague, hein. En fait, c'est un vrai sens. Entre la désertification des centres-villes, l'écologie, le truc de la fiscalité, plus le travail, voilà, il y a un truc à attaquer. Et moi, j'espère que si jamais ça marchait un peu, le fait d'attaquer Amazon ici ou ailleurs, que ça puisse déboucher sur une réflexion un peu plus globale derrière aussi, sur le monde de la logistique, mais de prendre ça comme porte d'entrée, c'est super utile, quoi. Vas-y, Greg. Tu pourrais nous aider à lister tous ces entrepôts ? Ouais, ça se fait bien. C'est un point important de l'enquête dont je parlais. Utiliser l'enquête comme vraiment outil militant, c'est de savoir où ça se trouve, par où ça passe et à quelle heure. Et c'est vachement intéressant. Les entrepôts Amazon, c'est assez facile. Il y a une cartographie qui a été publiée. Alors sur le site, ils en ont une qui est jamais complète, mais il y a Reporter qu'on a fait une il n'y a pas longtemps, ils ont sorti un article là-dessus, qui est assez détaillé. Et puis sinon, sur la métropole lyonnaise, alors moi je ne l'ai pas fait ici, mais je l'ai fait en Ile-de-France, c'est assez simple d'utiliser au début avec Google View, des trucs comme ça, pour faire en gros, puis après aller voir en détail, mais de repérer les endroits où il y a des gros carrés. C'est quelques zones, il doit y en avoir 3, 4, 5 peut-être, sur la métropole lyonnaise, mais pas plus. En Ile-de-France, il y en a à peine une dizaine. Et en fait, ces 10 points-là sont les 10 points stratégiques, les nœuds stratégiques d'alimentation de la métropole d'Île-de-France. Et c'est vraiment des points hyper stratégiques. Alors je sais pas si un jour on sera rendu à réfléchir à comment bloquer tout ça ensemble, c'est pas le problème, mais de savoir ça, d'enquêter là-dessus, ça a une vraie utilité. Il y a des outils pour ça, et ça se fait en bidouillant, il n'y a pas besoin d'avoir une armée de scientifiques, hein, c'est pas très compliqué. Il y a eu quelques blagues qui entendaient sur « Ouais, moi je commande plus chez Amazon », un peu cette idée de boycott. Quel intérêt de boycotter Amazon si toutes les plateformes logistiques similaires, Carrefour, Cdiscount, que sais-je, utiliseront la même exploitation? C'est pour ça que le truc de consommation, c'est intéressant de réfléchir à sa consommation pour une réflexion individuelle, mais comme outil de lutte de tout le temps culpabiliser les consommateurs, c'est compliqué parce qu'en fait on est un peu coincé.
Et il y a un exemple avec Amazon qui est super, je trouve. C'est, au départ, le truc Amazon, c'était le livre. Et quand Amazon est apparu, les libraires ont fait des scandales. C'est dégueulasse ce qui se passe dans les entrepôts Amazon, ils nous piquent notre boulot. En fait, les entrepôts de la découverte, du seuil, c'est pas mieux. Hein. J'ai été les voir, c'est vraiment pas mieux. Et pire que ça, il y a des gens qui, dans les grosses maisons d'édition qui disaient faut qu'on ait des outils aussi performants qu'Amazon pour éviter Amazon. En fait, si le seuil se met à faire des entrepôts qui ressemblent à ceux d'Amazon, je ne vois pas l'intérêt de plus aller chez Amazon, tu vois. Voilà. Et en fait, c'est ça la consommation. Il y a un moment, on vit dans un truc où tout est quadrillé. On n'a pas 15 000 possibilités de consommer autrement. C'est bien d'y réfléchir, c'est bien d'essayer ça. Mais de percevoir ça comme un outil de lutte fondamentale, moi, ça me semble un peu compliqué. Surtout qu'on est un peu, voilà, tout est un peu verrouillé, quoi. Est-ce que si tu achètes sur Cdiscount, par exemple, tu participeras moins à cette exploitation que sur Amazon? Non. Ou quelle que soit la plateforme, toutes les plateformes logistiques fonctionnent aujourd'hui de la même manière? Non, c'est pareil. Chez Cdiscount, ils auront pas le chef d'équipe, ils ne seront pas obligés de sourire au chef d'équipe, mais les produits sont un peu plus lourds. Ils ne vont pas marcher 30 km. Mais il y a des risques d'exposition chimique parce qu'il y a des trucs techno et tout. Enfin, tout ça, c'est chaque entrepôt va avoir ce truc plus ou moins bien. Amazon est pas pire niveau conditions de travail, ni mieux. Ils sont tous pas terribles. Là où Amazon est pire, c'est sur ce que disait tout à l'heure le copain, c'est que oui, il y a un truc, ils sont en train de changer le monde, quoi. C'est en termes de volume et de ce qu'ils font en ce moment à la planète et à nos sociétés, c'est énorme. Donc c'est un intérêt de l'attaquer, mais au niveau des conditions de travail. De commander sur Cdiscount ou Amazon, ça crée le même type d'effet. Commander, vous acheter un magasin, ça amène la même exploitation, puisque le magasin passe aussi par l'entrepôt. Dans la plupart des cas. Dans l'édition, par exemple, pour éviter ça, il faut aller voir hors des circuits, des gros circuits, des grosses maisons d'édition, quoi. À la griffe, par exemple. Les bouquins de la lenteur, les bouquins de la lenteur, ou une bonne partie des bouquins de la griffe, ne passent pas par ces énormes entrepôts, ou alors ils passent par un petit entrepôt d'un éditeur, qui a rien à voir, où c'est pas du tout le même niveau d'exploitation, c'est juste des colis qu'on déplace, et puis c'est bon, quoi. En fait, de renseignement qui est indispensable d'un point de vue stratégique dans un combat contre Amazon et son monde, contre l'économie et son monde. Cette cartographie que tu fais, parce que c'est la matérialité, quoi, des choses concrètement par où ça passe et concrètement où on peut défendre et où on peut attaquer. Et je crois que dans les échanges de ce soir, on touche du doigt deux stratégies qui sont bien complémentaires, à la fois la défense de lieux et pour créer des espaces autonomes et alimenter la lutte par la nourriture, mais pas délaisser un autre truc qu'on touchait en même temps du doigt, l'attaque. Et pour les deux, en fait, il faut savoir où le système a besoin de s'étendre et où il est déjà à 80-90% de ses possibilités d'activité si on veut le mettre à l'arrêt. Et les deux vraiment se nourrissent. Et effectivement, si on part dans un combat, dans une guerre contre Amazon et son monde, on ne peut pas gagner une guerre uniquement par des stratégies défensives, mais pas non plus uniquement par des stratégies offensives. C'est un mélange des deux et je trouve que c'est un travail exceptionnel, surtout pour le renseignement. Bah, je pense qu'il y a ce travail-là à mener au niveau local. Après, là, on était un peu dans les grands trucs, mais concrètement, et clairement, s'il y a une ZAD sur une zone logistique, ça réunit tout ensemble, quoi, aucun problème. Et si elle est un peu ouverte aux ouvriers de la logistique, ils viendront. Ils étaient majoritairement gilets jaunes, donc une ZAD sur une zone logistique, a priori, ça peut leur plaire, quoi. Et il n'y aura pas de confrontation de ces trucs-là, et ces deux-là peuvent se rencontrer. Et c'est ça l'attaque défense aussi dont tu parles. Mais je parle de l'attaque aussi plutôt dans les nœuds qui sont indispensables au fonctionnement du système aujourd'hui. Parce qu'en réalité, si on fait que défendre, des ZAD, on ne peut pas en créer de partout. Et il y a 25 mètres carrés de terres agricoles qui sont bétonnées chaque seconde. Je veux dire, on ne peut pas faire 25 mètres carrés de ZAD par seconde. Et on est trop peu nombreux. Donc c'est totalement asymétrique, et du coup, l'attaque est indispensable. Ouais, c'est vraiment le fait de toute façon, nos espaces libérés se feront sur une lutte offensive contre, pour récupérer des terres et pour récupérer des ressources à une civilisation et un capitalisme qui, lui, ne fait que des attaques offensives face aux vivants. Et en parallèle de ça, attaquer aussi concrètement les grands nœuds qui font fonctionner aujourd'hui, notamment les infrastructures, les hubs, etc., qui permettent en fait à la civilisation de s'accroître toujours plus, de s'étendre, de récupérer des ressources, du pouvoir et des terres.
Bien, merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast malgré une qualité de son pas terrible due à l'enregistrement dans une librairie. Néanmoins, n'hésitez pas à le partager s'il vous a plu. Merci pour les personnes qui nous soutiennent sur Tipeee et pour les nombreux messages qu'on reçoit. Ni Dieu, ni Maître, ni Marie, ni Amazon, ni plateforme logistique. À très vite sur le blog Floraison. People fight, that is something. It does grab the attention, and it should, because it's real stuff. It isn't just this symbolic game of, oh, it makes me feel good, I have my sign and stuff. Well, I don't care about that. If it was not ineffective, I would much rather have a nice, polite, peaceful, nobody is put in danger, nobody gets hurt, no one gets arrested, nobody gets hit on the head by a cop. And not even a window is broken. Ideal. Except it doesn't work that way. Il faut pas oublier que la première des violences, c'est celle que mon frère a subie. Aujourd'hui, la France est dans un délit de justice. On n'a pas le droit, on n'avait pas le droit de tuer mon petit frère. Mon frère n'avait pas le droit de mourir le jour de ses 24 ans. Ça fait 2 ans que mon frère a été tué. Les gendarmes n'ont toujours pas été mis en examen. C'est cette violence-là qu'il faut dénoncer. La violence appelle à la violence. Nous sommes devant les systèmes les plus puissants, qui sont l'État et la justice, qui ont déclaré la guerre à la famille Traoré, qui ont fait des soldats malgré nous. Qui ont fait des soldats malgré nous. Our planet is dying. Actually, she's being drawn and quartered. We are on the verge of complete biotic collapse. And that is 500 million years of evolution gone. We are out of soil, we are out of species, and we are out of time. We really need to start thinking like a serious resistance movement, because this is a war. I know it's been going on 10,000 years. It feels like daily life. The lights are on, the cupboards are full, but this is a war. And if anyone is left to look back 100 years from now, they are going to wonder, what the fuck was wrong with us? That we didn't fight like hell when our planet was going down. Now you love something or you wouldn't be here. Whatever you love, it is under assault. Love is a verb. We've got to let that love call us to action.